Bonjour Nicolas. Salut Eric. Eh bien écoute, je suis content d'avoir une nouvelle fois l'occasion de te retrouver derrière les caméras pour parler d'un nouveau projet, la BC21, qui est un nouveau modèle de clarinette si bémol et qui a une particularité qui concerne une note supplémentaire qui a été ajoutée. Et on parle du mi bémol grave. Et si on revient quelques années en arrière, on avait parlé ensemble et tu m'avais dit à plusieurs occasions, Eric, est-ce qu'un jour tu pourrais me fabriquer, et on pourrait concevoir une clarinette avec un mi bémol grave, notamment un mi bémol grave, mais aussi en retravaillant un petit peu la justesse des notes du grave, notamment mi, fa et mi bémol. Ben voilà, tu as tout à fait raison. Moi, c'est une demande que j'ai formulée déjà il y a plusieurs années. Parce que, à l'orchestre, par exemple, moi, je transpose beaucoup. Hein. J'essaie de changer le moins possible entre la clarinette si bémol et la clarinette en la pour éviter justement les problèmes d'intonation, d'instruments froids. Et donc, il m'arrive très souvent d'être embêté parce qu'il y a évidemment des mi graves à la clarinette en la et je ne pouvais pas les faire à la clarinette si bémol. Donc, il y avait cet aspect-là à l'orchestre. Il y avait aussi l'aspect plus concertant, on va dire, puisqu'il y a des concertos où il y a des mi-bémol graves, il y a de la musique de chambre où il y a des mi-bémol graves. Je pense au contraste de Bartok, par exemple, quand on le joue en si bémol, mais beaucoup d'autres exemples encore. Et donc, c'était un aspect déjà important pour avoir plus de possibilités. Mais il y a aussi ce que tu mentionnais, il y a le fait d'avoir un instrument qui est plus long. Et d'avoir ce mi bémol, du coup, ça libère la sonorité du grave de la clarinette. Parce que le petit défaut des clarinettes qu'on connaît aujourd'hui, c'est d'avoir toujours ce mi, ce fa et ce fa dièse un petit peu bouché, un petit peu moins rayonnant et surtout un petit peu bas. Et Et donc oui. le fait d'avoir ce corps plus long et ce trou de résonance finalement de mi bémol, ça donne une toute nouvelle sonorité à la clarinette. Et c'est vraiment ça pour moi, ce côté fruité, ce côté libre et qui irradie, qui est vraiment intéressant. Et on va dire que c'est vraiment le mi bémol a été incorporé à cette nouveauté, puisque ça existait un mi bémol grave. On le Bien retrouvait sûr. sur, je me rappelle, des modèles RC par exemple, ou RC Prestige, qui étaient déjà à l'époque équipés d'un mi bémol grave sur certains modèles, mais c'était un rajout. Et on va dire que là, on a conçu l'instrument à partir d'un trou de résonance au départ, et aussi qui est devenu après, en rajoutant une clé dessus, un magnifique mi bémol. Voilà, il y a eu donc cette clarinette full boom qu'on a produite chez Buffet d'ailleurs, hein, qu'on a commercialisée pas mal d'années. Et si on remonte un petit peu dans l'histoire, il y a eu beaucoup de clarinettes avec un mi bémol grave au 19e siècle. C'est pour ça que dans les symphonies de Mahler, par exemple, on trouve beaucoup de mi bémol grave. Et c'était une clarinette qui était assez répandue, mais qui avait des défauts justement de justesse. Et partant de ça, nous, comme tu le disais très justement, on est parti un petit peu d'une feuille blanche et on est parti de ce postulat de base. On veut un mi bémol grave juste, beau, mais qui, comment dire, qui ne contrarie pas comment dire, le reste de la tessiture et qui garde ses qualités de facilité et ses qualités de justesse et de projection. Et donc, c'est ce qui a vraiment présidé à l'élaboration de ce nouveau modèle, c'est trouver un nouveau compromis et un nouvel équilibre avec ce mi bémol grave. Et on peut faire un petit parallèle, même si ce n'est pas la même tonalité, mais toi, tu as joué aussi beaucoup le concerto de Mozart avec la latte bassée, qui est un instrument qui, évidemment, qui est rallongé pour aller jusqu'au do grave. Et il y a finalement quelques similitudes aussi dans la couleur du grave et dans l'interprétation aussi qu'on peut avoir sur ces notes graves. Tout à fait. Que ce soit pour le côté vraiment boisé et fruité du grave, très très libre et vraiment avec beaucoup de résonance. Il y a aussi, je pense, dans la façon de souffler dans l'instrument et dans comment dire, dans sa résistance et vraiment la sensation à l'embouchure, il y a vraiment des similitudes. Le fait justement que l'instrument soit un petit peu plus long, soit très cylindrique comme ça donne vraiment, on a l'impression de souffler un petit peu différemment, peut-être un peu plus en souplesse pour le faire sonner. Et voilà, pour ceux qui ont eu la chance de jouer la clarinette de Basset, il y a en effet beaucoup, beaucoup de similitudes. Alors tu parlais du cylindre de la clarinette et ça nous a permis aussi d'avoir un cylindre qui soit un petit peu plus important, de diminuer l'évasement et c'est ce qui donne aussi ce grain de son tout particulier qui riche en harmonique. Exactement, ça donne cette couleur et puis ça donne aussi beaucoup de contrôle sur l'intonation, sur la justesse. Le fait de ne plus avoir cet évasement, justement, ça nous a beaucoup aidé
pour mieux contrôler cet aspect de la clarinette. Et il y a aussi une incidence sur l'aigu, même si effectivement on parle du grave, mais il y a aussi une incidence sur l'aigu. Et voilà, c'est que là on parle du grave, mais la direction dans laquelle on voulait aller aussi, c'était d'essayer de minimiser au maximum la différence de couleur et de son dans les différents registres. Et donc, le fait d'avoir ce très long tube cylindrique, ça donne beaucoup plus d'unité et d'homogénéité dans tous les registres de la clarinette. Pour moi, en tout cas, il y a vraiment beaucoup plus de similitudes entre le grave et l'aigu. Mais il y a aussi cette stabilité, en effet, ce côté très tubé, très stable et très en face que mes collègues et moi, on apprécie beaucoup dans cette nouvelle clarinette. Alors on peut parler aussi du pavillon, la longueur du pavillon qui est très courte sur la BC21. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il ne détermine plus l'intonation des fa et mi graves. Il est uniquement un résonateur. Mmh. Et ça permet aussi d'alléger considérablement l'instrument, bien qu'il soit rallongé de 4 cm. Voilà, c'était vraiment une des conditions sine qua non au départ sur notre feuille blanche, entre guillemets. C'était vraiment d'avoir un instrument rallongé avec ce mi bémol, mais sans poids supplémentaire, parce qu'on sait évidemment que le poids, c'est l'ennemi du clarinettiste, que ce soit pour des raisons physiques, au niveau du maintien de la main, de l'avant-bras, au niveau tendineux aussi. Alors évidemment, le centre de gravité est un tout petit peu différent, puisque l'instrument est plus long, mais en tout cas, il n'y a absolument pas de gêne ou de sensation de lourdeur dans l'instrument. Et ça, c'est très important. Et donc, comme tu le disais, ce pavillon, finalement, il ne sert que de résonateur, il ne sert qu'à l'émission, il ne sert que à la projection du son, mais en tout cas, il n'a absolument aucune influence sur la justesse de notre grave. Bah écoute, Nicolas, je te remercie pour tous ces détails, et puis on se retrouve bientôt et on aura le plaisir de t'entendre rapidement, j'espère, la prochaine fois sur ce nouveau modèle. À bientôt.